Salut et bonsoir à tout le monde. Pour vous rappeler que nous sommes ici au Parc des Princes lors de la présentation du trophée du champion d'Afrique. Les joueurs du PSG, champion d'Afrique, sont rentrés pour présenter le trophée au public du Parc des Princes. Donc, c'est-à-dire, c'est Abdou Diallo et Ganagay, comme vous pouvez le voir. Donc, ce sont les deux champions d'Afrique du PSG qui sont rentrés avec le trophée et qui sont en train de présenter le trophée au public. Donc, ce n'était pas arrivé au Sénégal, c'est pour la première fois que ça arrive et c'est comme ça que ça a été, ça s'est célébré aussi au Parc du Prince parce que le Paris Saint-Germain a aussi deux champions d'Afrique qui est dans leur rang et qui s'agit de Abdou Diallo et de Ganagay. Comme vous pouvez le voir, Ganagay qui est en train de s'exprimer au moment au micro du Parc du Prince. Donc, ce sont les deux champions d'Afrique du Sénégal qui sont arrivés. Et ça s'est célébré, ça s'est aussi célébré au Parc du Prince. C'est pour une première au Parc du Prince que ça arrive parce que le Sénégal, pour vous rappeler, c'est le premier trophée du champion d'Afrique des Nations. Donc c'est la première Coupe d'Afrique des Nations. Depuis que la compétition se déroule, le Sénégal a été toujours favori. Le Sénégal, c'est une grande nation du football. Mais pour rappeler qu'ils n'ont jamais gagné la CAN avec les générations comme celui de 2002 et aussi cette génération avec presque tous les meilleurs à leur poste, c'est-à-dire des défenses jusqu'à l'attaque. Ils avaient donc tout ce qu'il fallait pour gagner ce trophée et ils l'ont fait et nous sommes franchement contents d'eux parce que c'est leur premier trophée. Donc ce n'était pas arrivé pour eux et pour nous les Africains, nous sommes aussi contents de voir cette génération remporter. Parce que ça a dépassé, c'est la génération de l'an 2000 qui a été quart de finaliste de la Coupe du Monde comme 2002, Corée-Japon. Donc, ils ont battu comme champion du monde en titre la France et nous avons tout vu, mais ils n'ont pas pu gagner le titre de champion d'Afrique. Mais cette fois-ci, c'est fait et c'est leur premier titre. Et comme vous pouvez voir, les deux, Abdou Diallo et Ganagay, qui sont en train de s'exprimer et qui montrent la joie au public du Parc des Princes. Donc, franchement, tout ce que nous pouvons le dire, c'est bravo et de continuer à faire le bon travail pour le pays et de représenter valablement cette drapeau qui représente. Et bravo à eux et qu'ils continuent à faire le bon travail et que le PSG continue aussi de soutenir le football africain.